Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, en ce moment je fais des redécouvertes sur APB Reloaded par exemple, ce jeu qui tourne quand même vachement mieux sur mon nouveau PC. Voilà, donc parce que là je le tourne comme vous le voyez, c'est bien plus fluide, c'est du 60 FPS les gars. Joli. Donc comme vous voyez là, je suis avec les flics, certainement que la dernière fois je vous avais pas montré le truc des... Aïe. Je sais pas si je vais me choper des copyrights pour ça. Voilà. Donc c'est jouable à la manette Xbox 360, mais c'est pas terrible. Donc je vais plutôt rejouer à la au clavier souris. Hein, la bonne vieille, le bon vieux clavier souris. Je me fais shooter. Je sais même pas par où, derrière certainement. Donc c'est un jeu très simple, tout con en fait, parce que... Wow. Donc on a comme... Quand vous l'avez sans doute déjà vu, voilà, je viens de me faire exploser. Voilà, je viens de me faire exploser. Donc le but, voilà, c'est là de faire régner la loi, on va dire. Et donc de réussir à tuer les ennemis. Donc chose qui est pas... Ah ouais, je suis en mission en plus. Parce qu'en gros, dès le début du jeu, il nous met en mission. Donc c'est un jeu tout simple, tout bête, hein, y a pas grand chose à faire. Le but c'est que soit on se met en mission, soit... Soit on crève. Comme vous voyez, je suis pas très bon, pas trop mal non plus, mais bon. Bon. Ok. Bon, bah là on peut tuer à travers les grillages, ça je le savais pas. Donc chaque fois qu'on se fait tuer, on a une petite sonnette de l'ennemi qu'il a choisi en fait, de ce qu'a choisi l'ennemi. Donc qui est très sympathique. Franchement j'adore quand même, je l'aime bien ce jeu. En gros c'est un espèce de GTA gratuit disponible sur Steam. Donc pour l'instant franchement ça me plaît très bien. La version gratos, ça me plaît. Donc après, faut choisir. Franchement, on peut choisir. Je vous montrerai un autre petit gameplay tout à l'heure. Ou sinon, je le ferai comment dire, je le ferai dans une autre vidéo. Pour vous montrer, je vous l'ai déjà montré, mais bon, la partie flic. Non, la partie flic, je vous la montre déjà. Donc la partie... comment vous dire ça, la partie des brigands, on va dire, voilà, comme ça, des brigands que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente, mais là je peux vous le montrer en 1080p 60. Donc vraiment très bien, comme vous voyez, regardez, j'appuie sur haut, je vous montre en vidéo, je suis en 1080p maximum qualité, aucun bug, hein, comme vous le voyez. Donc après on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire sur ce jeu. C'est vraiment un jeu que j'affectionne tout particulièrement parce que justement il est gratuit. Donc on va essayer d'éviter d'appuyer sur majuscule en même temps. Donc le truc c'est que voilà, on va se faire violer. Encore, en plus c'est la même que tout à l'heure, hein. Parce que... ouais si. En plus il avait un fusil à lunettes et moi je l'ai mieux touché avec la mitraillette là, ou je sais pas trop ce que j'ai quand même. Parce que je suis pas spécialisé là-dedans et j'ai pas envie de me spécialiser plus que ça. Je vous referai peut-être quelques vidéos détente dessus parce que c'est vrai que je l'aime bien. Ce jeu est vraiment très bien. Déjà vraiment je le trouve très bien parce qu'il ressemble pas mal à un GTA. Plutôt GTA 4, voire un peu moins. En GTA 3 parce que graphiquement il n'est pas non plus extraordinaire, mais comme je vous dis c'est quand même un jeu gratuit, bon payant à la base mais gratuit pour le moment. Attendez, mais elle crève jamais celle là donc je vais encore mourir. Moi je m'en compte. Vous avez... Ouais.
Donc le truc c'est que le mec ou la nana, je sais pas, a réussi à ne pas mourir alors que je lui ai mis quand même pour au moins 20 balles quoi. Et là, j'ai la vidéo comme preuve, franchement, c'est du cheaté là. Parce que là, franchement, je... Bah, après, c'est peut-être moi, hein. Je suis peut-être un noob aussi, c'est vrai. Mais bon, quand même... Donc là, on peut appuyer sur K pour ne plus avoir de mission, d'ailleurs. C'est ce que je vais faire. Donc, on va aller se choisir. J'ai récupéré notre voiture. Donc là, par contre, je vais peut-être... Non, je vais pas rejouer à la manette parce que ça me gave. Donc, on peut reprendre sa voiture. Donc ici... On peut vraiment faire pas mal de choses. Hop, si on veut, en face, on peut revendre les voitures qu'on vole. Mais bon, en tant que... En tant que policier, on ne peut... On ne doit surtout pas faire ça. Donc, on peut rouler comme un timbré. On peut freiner, comme d'hab. Hein. Donc là, je vais vous montrer une autre partie du gameplay... qui est plus intéressante à mon avis, celle du voyou, parce que celle-là est pour moi pas très intéressante. Donc comme vous voyez, il y a le temps de chargement, donc un chargement qui est plutôt animé, plutôt sympathique. Donc comme on voit, on doit pouvoir personnaliser les t-shirts, etc., etc. Donc là, je sais pas si vous voyez, ils me mettent directement sur Steam, je sais pas pourquoi. Donc moi c'est le 1 que je veux, donc comme vous voyez, j'ai déjà mis tout comme il faut et tout. Donc j'ai déjà une 8 heures de jeu. D'ailleurs j'ai perdu tout mon argent en fait, puisque j'ai fait une connerie. J'ai acheté une voiture qui me sert strictement à rien parce que je peux pas m'en servir. Je ne peux pas m'en servir car en gros comme je dis, comme je vous le dis, j'ai utilisé mon argent que j'avais pour acheter une voiture que je ne peux pas utiliser. Parce que en gros faut être policier et je ne sais pas comment la revendre. Je viens juste de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez vous qu'est-ce que je peux faire. En fait comment faire ça. Voilà. Donc là on peut. Voilà, on revient en tant que mission, voleur. Tout ce que vous voulez hein. Puisque voilà. Hop, ouais, il y a quelqu'un qui a pété. Ah merde, moi je veux comment. Hop, pas prêt, voilà, hop. Ouh, il y a de la voiture là. Ouh, il y a du méchant. Ah non merde. La mienne, je l'ai... Voilà, par contre, les voitures dans ce jeu sont très, 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 très... Oh, j'aime bien celle-là, là. What? J'aime bien celle-là. Un petit screenshot. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait un screenshot, là? Attendez, oh, c'est pas... Oh, non. Je sais plus. N'empêche que... putain, il y a toutes les mêmes... Parce qu'en gros, les voitures dans ce jeu valent très, très, très cher. Le truc, c'est que je sais pas si justement ces musiques sont sous copyright ou pas. Donc, je préfère un peu éviter. Donc, par contre, voilà, ce jeu est très bien. Il y a un seul truc, c'est que la manette, elle marche dessus, plus ou moins. Oh, lui, il a dû apprendre à rouler sur les murs, mais pas comme il faut. Parce que en gros, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez pas jouer avec le joystick pour, comment dire, pour, donc comme vous voyez, je tourne en 60 fps, le jeu est beau et tout. La connexion, pour l'instant, tourne bien, j'ai de la chance parce qu'il y a personne sur la connexion que j'utilise, alors que d'habitude, il y a du monde, hein. Parce que c'est un jeu en multijoueur, en libre, tout pareil, tout bon, hein. De base il est gratuit. Donc voilà, après vous pouvez le payer. Mais bon j'en vois pas l'intérêt. Donc on peut faire des choses un peu que... Ah non pas celle là, merde, je me suis gouré. Parce qu'en gros on peut casser des enseignes, des vitrines, pour voler ce qu'il y a dans le magasin. Et en gros bah, par contre c'est pas du joli joli hein. Comme je vous dis, le jeu il doit avoir 5 ans 6 ans. Il a gardé ses 5 ou 6 ans dans la gueule et il a pas eu de lifting. Hein. Donc on fait comme ça, paf, hop, on descend du véhicule. On va ramasser tout ce qu'on peut ramasser. Donc le micro-ondes. On va le mettre dans le coffre, hop. Par contre, la capacité des coffres dépend du véhicule en fait. Parce que par contre on peut voler des véhicules, hein. Ça c'est comme dans GTA en gros. C'est un GTA gratuit comme je vous dis.
où on peut voler vraiment les trucs. Donc ah attendez, point de livraison objet. Donc comme vous voyez, je suis juste à côté du point de livraison d'objet. C'est magique, c'est parfait. Merde. Donc on va aller dans le parking là, qui m'a l'air très sympathique. Donc ça a l'air très bien. Hop, on se gare gentiment, bien comme il faut et tout. Donc on va aller vendre le caméscope déjà qu'on a dans la main, parce que ça fait un peu con. Voilà, hop. Donc je vous montre un peu le gameplay possible du jeu, parce que franchement il a déjà un bon gameplay, je trouve, qu'il n'y a pas forcément dans un GTA. Qu'il y a, hein, mais pas forcément dans un GTA. Il y a beaucoup de choses. Après, bon, il y a des trucs basiques. Voilà, on a vendu. Hop. Mission 1. Ouais. Donc, on peut revendre à plusieurs endroits qui sont très intéressants. Donc, comme vous voyez, tac-tac, on fait un petit demi-tour. Ah, je casse ma voiture. Donc, alors, on va aller revoler quelques enseignes. Pardon. On va aller essayer dans... Oh là, il y en a une autre. Voilà. Donc voilà. Hop. Ah, il y a des caisses. Donc on descend. Donc comme vous voyez, ma voiture a une possibilité de 5 charges. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut charger 5 trucs dedans. Ça dépend en fait de la taille. La taille... Regardez. Hop. Je peux mettre là toute... Non, je dois pouvoir mettre peut-être toutes les valises. J'en sais rien. Il n'y a plus de place. Ok. Donc non, je ne peux pas mettre toutes les valises. Ouais, c'est bon. Par contre, ça bug un peu de temps en temps. Bon, pas très très grave, comme vous voyez. Au niveau des objets, en haut, les petits cubes, en gros, ça signifie le nombre d'objets que je peux mettre dans la voiture. Et le nombre d'objets est plus ou moins limité selon le véhicule que vous avez, bien sûr. Donc, comme vous voyez, je peux... Oh, joli, joli, joli. T'as une jolie voiture, toi. J'aimerais bien te la piquer, mais bon, j'ai pas que ça à foutre. Je dois me rembourser un peu mon... Oh, franchement, elle est magnifique, ta bagnole. Tu me la prêtes? Donc, voilà. Après, je vais arrêter, parce que... Tiens, je vais vous montrer autre chose. Je vais arrêter de voler, parce que c'est pas bien. Même s'il y en a beaucoup qui le font, hein. Je suis pas le premier. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai déjà 300 euros, 300 dollars plutôt. Donc les 3 valises, je vais les vendre. Donc après, ce qui rapporte le plus, il me semble que c'est les ordinateurs. Je vais pas vous dire plus que ça. Donc là, oh zizi, par contre, il y a tout ce que vous voulez dessus, hein. Il y a, ok. Donc on va reprendre la voiture. Donc là, en gros, on peut faire spawn les voitures. Dès qu'on a une voiture, on peut l'avoir à l'infini, hein. C'est un peu comme GTA, je crois. Une fois que la voiture est détruite, on peut la faire respawn. Oh, par contre, moi, je vais essayer de conduire comme il faut. Donc aussi, on peut réparer les véhicules en allant comme sur, je sais plus quel jeu. Quel jeu, déjà, où on peut faire comme ça. Je sais plus, mais il y a un autre jeu comme ça où on doit passer par les stations-service pour réparer les véhicules. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait, que je trouve sympa. Donc voilà, c'est vraiment bien qu'on puisse réparer les véhicules en allant dans les stations-service. Donc on peut déraper avec le frein à main qui est sur la touche... quelle touche ? L'espace, bien sûr, la touche espace comme sur la plupart des jeux de voiture. Donc voilà, qui est vraiment très configurable. Mais en fait, c'est vrai que j'avais pas pensé au début que comment vous dire ça, que que en gros là, vous voyez, là je vais faire blanchir mon argent. Je sais pas si ça marche comme ça. Non, faut que je descende. Voilà, en gros, mon argent est blanchi, donc mon niveau de dangerosité descend, bien sûr. Et donc, je peux déjà moins me faire repérer par les flics. Nouveau-né, ok. Donc, ce que j'aime bien, franchement, c'est ce jeu, parce qu'en gros, on a de l'argent au début quand on vole, mais sale. Et quand on a de l'argent sale, bah faut le blanchir. Ah tiens, d'ailleurs, il y a une station-service là.
juste à côté pour vous montrer. Donc on se met là dans une station service et hop, la voiture se répare. Tac. Donc voilà. C'est vraiment très sympathique, franchement. Donc voilà, je vous referai peut-être quelques vidéos dessus. Déjà, je vous ai déjà montré, même dans un autre jeu. Bon, les graphismes ne sont pas au top non plus, comme je vous dis. C'est un jeu qui est déjà pas tout jeune. Donc franchement, pour un jeu pas tout jeune, il est déjà pas mal. Donc franchement, je vous dis clairement, ce jeu est pas mal. Ce jeu est pas mal. Donc vous pouvez vraiment, il est vraiment gratuit, vous avez accès sur Steam, il prend pas beaucoup de place en plus, il fait 5 Go. Bon, 5 Go, c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi je vais vous dire à plus dans une prochaine vidéo. Certainement qu'en ce moment je vais beaucoup faire de vidéos redécouvertes, parce que c'est pas des vidéos découvertes, vu que j'ai déjà découvert le jeu avec vous. Donc là, vraiment, en plus, c'est un bon micro et tout, j'ai vraiment beaucoup de choses. Je peux vous faire tourner les jeux en 1080p 60fps et pas en 1080p, non, même pas en 720p, parce que je le fais pas en 1080p, je le fais en 720p d'habitude. Donc j'espère que ça vous a plu, parce que moi, franchement, j'ai adoré faire cette vidéo déjà sur ce jeu qui est vraiment très bien. Donc, ah, il y a un truc que je vous ai pas montré, mais bon, ça fait déjà un petit moment de vidéo là. J'en suis à peu près 15 minutes. Donc on peut voler les voitures et les revendre après comme sur un GTA. Même je crois que ça a été fait avant GTA. Mais bon, parce que ce jeu déjà a au moins 5 ou 6 ans, il me semble. Hein, je dois pas être très loin de la vérité. Avant il était payant, maintenant c'est un free to play. Si tu veux avoir toutes les options, tu dois banquer. Mais c'est un free to play à la base. Comme moi, je joue en gratuit. Parce qu'après on peut avoir un compte payant, on va dire. Ou voilà, je sais pas comment vous dire ça. Donc je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Et je vous souhaite de passer un bon moment en ma compagnie. Donc voilà. A plus. Ciao.